Hello tout le monde! Allez, on se retrouve sur Man of Medan qu'on avait déjà commencé, bien avancé. On était déjà sur un bateau, c'est déjà pas mal. Du coup, on va continuer. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien, hein. Adviendra que pourra. Est-ce qu'on fera un meilleur score ou un pire score que 3 morts de Devil Enemy? On verra bien. Je ne sais pas quel est mon but. Mais je ne le dévoilerai qu'à la fin. Oui, je vais vraiment improviser en mode si je tue plein de gens, c'était vraiment fait exprès. Et si j'en tue aucun, oh mais quel talent. Je trouve qu'on est bien là. Alors, on s'en va directement dessus. Je vous ai tout mis, le son, tout ça, blablabla. Sauf que moi, comme d'hab, j'ai mis le son à presque 100%, évidemment. Donc je baisse un petit peu avant de se lancer sur le jeu, histoire de ne pas vous péter les oreilles. Hop là! Et c'est parti! Alors, nous on est du type à jouer seul. Est-ce que j'ai mis mon son pour moi? Oui, là ce sera mieux. Je pensais avoir perdu ma sauvegarde, mais non. Parce que ça m'avait fait la même chose que pour. Oh, je sais plus le nom. Ça y est, je suis perdue. Little Nightmare 2. Bah, on va continuer notre histoire en avant. Et on verra bien ce que ça donne. Alors, attendez 30 secondes. Oui, c'est bon. Conran, Fins, Julia et patati patata. D'accord, on se casse. Allez, espèce de petit connard, vas-y. Tu peux le faire. Non, je sais pas encore ce qui se passe, Manlord. Je viens à peine de tomber dans le bateau. Enfin, de tomber. D'être dans le bateau. Mais je verrai bien ce qui se passe. Et c'est très gentil de Lurk. Et bonne soirée. Bonne sortie surtout. Merci du petit message en tout cas. Merci beaucoup. Ok, alors on se retrouve avec, j'ai pas retenu son nom, numéro 2. Je retiens vraiment pas les noms des persos, c'est horrible, hein. Bon, c'est pas grave. Par contre, ça me choque toujours qu'il soit pieds nus parce que moi je pense surtout à ce qui doit se trouver là, de rouiller, le tétanos, tout ça, tout ça. Même si on est vacciné. Ouch! Eh ben, ça commence bien. Qui est là? Ça annonce rien de bon, ça. Non, il a raison, ça annonce rien de bon. Je sais pas. En plus, si ça va se jouer avec le son, moi j'entends rien, je suis sourde. Enfin, je suis sourde, j'entends pas bien. Ah, déjà on peut ouvrir la porte, c'est déjà pas mal. Il y a toujours ce gaz bizarre, hein. Il y a le gaz bizarre. Je sais pas à quoi il va servir ce gaz. À quoi c'est dû. Mais en tout cas, il y en a partout. Je peux pas aller dans la petite pièce là fermée. Pitié. Allô. Putain, par contre, il est méga grand le gars. Ou alors les trucs sont méga petits. Ah, des cadavres. En tout cas, ils ont l'air d'être tous ensemble. USL général d'infanterie 14e division. Ok.
Oui, ils sont morts de peur. Locker room. J'aime pas trop avancer. J'aimerais bien aller dans la petite pièce qui était tout à l'heure. Où on était devant, mais on n'a pas pu rentrer. Allô? Oui, monsieur, s'il vous plaît, par là. Ouais. Demi-tour, gauche. Celle-là, là. Je sais pas s'il y a un truc. Je pense qu'ils vont me dire que c'est fermé. Voilà. Idrial 1. Destin 0. On va aller du coup à la droite. À la droite, à droite. Ouais, oui, bon, vous avez compris. Ok. Ah, non. J'aime pas. Pauvre choupette. Parfait, c'est super. Oui, c'est super. Évidemment, on se marre. Oh! On se marre beaucoup moins. Ouais. Il y a Poupette qui est en train d'arriver, hein. Vas-y, cache-toi. Bonsoir. Ah, c'est quoi ça? Quel endroit de merde. Tu m'étonnes. Ouch. Non, j'aime pas trop ça, hein. No smoking. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il y a toujours cette fumée bizarre. Puis-je m'enfuir, s'il vous plaît? Il y a toujours la fumée bizarre. Moi, je vous dis, il y a un truc qui se trame avec cette fumée. Bon, il y a un truc derrière. Est-ce que j'y vais vraiment? Allez, on y va. Soyons courageux. Mais... demi-tour, vas-y. Oh, yoï. Je sais pas ce qu'il pourrait y avoir ici. Il y a la fumée bizarre, en tout cas. C'est un courant d'air, on va se dire ça. De toute manière, on perdait du gaz. Donc, pourquoi pas des courants d'air maintenant? Ok. Ah ça, je reconnais, hein. Les signes de l'apocalypse. Ah, pieds nus. Je crois que c'est la madame. Est-ce qu'on ferait pas bien de se montrer du coup? Je pense que c'est la capitaine du bateau. Ah, je retire, c'est pas une madame. C'est un monsieur. Excusez-moi. Et c'est le mec avec le flingue. Donc non, j'ai bien fait de pas me montrer. Oh, je suis trop... dans la vraie vie, je serais morte. Je suis un peu con, hein. Oh, je me serais fait tirer dessus. Madame, c'est vous? Non, c'est pas moi. The end. Ils sont pas loin. Ah, il y a des affiches. Oui, donc pour rejoindre l'armée, tout ça, tout ça. Merci bien. Ici, on a quoi? Petite feuille. Est-ce que tu me révèles mon destin, pardon. Oula. Formulaire de demande de matériel. Quantité, description, un respirateur, un filtre. Dépenses budgétisées. Oui, demande de soldat Gordon Young rejetée. Motif du rejet, le soldat Young a déjà été doté d'un masque à gaz. Oh, depuis tout à l'heure, je cherchais le mot des masques anti-gaz. Je disais ça à ma famille. En fait, c'est masque à gaz que je cherchais. Je suis trop bête. Ok, du gaz moutarde. Donc peut-être qu'ils sont par là. Ah, petit. Je suis pas sûre de... Il me faut un truc pour grimper là-haut. Ok, une chaise. Il nous faut une chaise. Attends, le gars, il est immense. Il lui faut quand même un truc pour grimper. Mm-mm.
dur dur de pousser une... Mais rentre pas dans ça, regarde avant. C'est contre-intuitif ce que tu fais. Personne ferait ça. Mais qu'est-ce qui... Personne n'irait dans une salle alors qu'il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alex ? Julia ? Léo ? Il y a quoi là ? Est-ce que le gaz moutarde, ça fait avoir des hallucinations ? Oh, le truc. Ah, le truc ! Le bateau. La prémonition. Bon. Moi, je pars du principe où le gaz moutarde, ça fait avoir des hallucinations. Et ils sont tous en bad trip. Allez, hop. Non, c'est pas possible. En tout cas, il y a un truc avec la fumée marron. Je sais pas lequel, mais il y en a un. On peut prendre le gilet. Parce que je suis pas très fan de l'eau. Tout ça. Y a quelqu'un ? Dégagez ! Prends un gilet, pitié. On va se noyer. Je sens qu'on va se noyer. Sinon, il mettrait pas de l'eau. Tu peux pas l'ouvrir ? Apparemment non. Ah, non. Ah ça c'est moi dans la vraie vie hein. Une flippette pareille, c'est moi. Descendre, c'est la mauvaise idée pour l'instant. On a des quoi là ? Des squelettes. Donc il y a un mec qui s'est ouvert la tête. Alors attendez, tic tac tout, qu'est-ce qu'on apprend de plus ? À l'installation du second Fisher. Monsieur, vous m'avez demandé de vous tenir informé de la situation radio. Nous avons tenté d'envoyer des messages aux heures suivantes sans obtenir de réponse. 1h10, 20, 30, 40, 50. Nous avons pu capter des messages indirects jusqu'à 1h40. Cependant, nous n'avons plus reçu aucun message après 7h. Il est possible que notre équipement soit défectueux. Je vais procéder à des vérifications et devrais pouvoir vous en dire plus d'ici 3h. Soldat Cooper. Ok. Donc un problème de radio, oui, pourquoi pas. Je sens que... Ah, on peut la garder celle-là, s'il vous plaît. Ça serait utile. Garde-la, s'il te plaît, voilà. Mais n'allons pas fracasser le crâne de tous les individus qu'on croise. Vous n'êtes pas censé être là. Et je devrais pas voir ça. Lui, non mais, laisse-le tranquille. C'est bon, tu t'as fait le tour. J'imagine que je suis forcée d'aller de descendre. Bon bah allons-y. Alex ? Julia ? Alors je sais pas si c'est de l'eau, de la mélasse. Oh, ouch ! Jamais de la vie. Oh ! Vous l'avez vu ? Et c'est le même type que je vois dans des... Il y avait l'homme au chapeau. Celui que j'ai vu dans The Devil Enemy et qu'on m'a tous... Tout le monde m'a pris pour une folle. Mais on le voit 30 secondes. Mais j'ai l'impression que c'est le... Ah, le mec là qui nous attend pour nous faire de la morale à deux balles. Le conservateur. Mais j'ai des... Ah ! Alors je le vois mais pas aussi bien que ça. Mais pour moi, on voit de temps en temps le conservateur. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ils ont tous sniffé le pommeau de vitesse, ça c'est pas possible. Hein. Une balle, ok.
Il va me choper les miches, lui. Non, c'est bon. Miche ! J'avais dit qu'on allait me choper les miches. Ah. Bonsoir, bonjour. Ils sont quand même très gentils pour des fantômes, hein. Ok. Why not? Non, mais c'est quoi ce délire? Oh, c'est trop beau. Je veux la même salle. Non, mais je vous dis, elle a sniffé un truc avant. Hein. Ils ont tous chopé le tétanos. Voilà. On a notre solution. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Pourquoi pas, si vous voulez. Cet endroit est pas net. Alors, si on l'ouvre, on apprend quoi? Ah, des rituels. La cabale doit silencieusement se réunir et que 5 membres sains de corps et d'esprit, 3 femmes et 2 hommes, premier-né, le visage encapuchonné. Important pour le sorcier et le bien-être spirituel. Déjà, c'est mort parce que 3 femmes et 2 hommes, premier-né. On n'est pas premier-né. Il y a une des madames qui est la sœur. Important pour le sorcier et le bien-être spirituel fidèle qu'avant la fête d'Akramari, soit rituel de Trécheï. La cabale chasse les démons. Un pentacle doit être tracé et chaque membre doit se tenir à l'une de ses pointes. Une femme doit porter par la mère doit être placée inconsciente au centre du pentacle. Alors l'assemblée doit réciter l'incantation de Sora, épée à la main, avec toute l'exaltation possible. Telle qu'elle est écrite. Nous, les 5, nous tenons aux points les plus éloignés, mais nous demeurons à portée. Puissant, symbole étoilé, tournez-vous de 90 degrés vers là, en traçant avec l'épée l'amulette, criant le pentacle et la foi. L'épée devant vous est dite Vérance. Pivotez, degré vers là, en traçant avec l'épée le saut occuvernal. Constituez-le avec révérence. Faites face au nord. Proclamez avec ferveur. Ah ben, ça m'a l'air bien. L'épée devant vous est proclamée avec ferveur. Le pentacle est sacrifice. Page 34. Chaque membre fait un pas en avant en maintenant la posture de rame. Récitez à l'unisson. Nous sommes unis et sceaux et notre Seigneur Osora. Par ce sacrifice, nous t'implorons de purifier notre aura et de nous libérer des démons qui nous hantent. En ton nom, nous versons le sang de l'homme pour, digne de ta confiance, une fois l'incarnation minée, les 5 membres doivent converger vers la sacre. Le sacrifice, à la main et à tour de rôle pour débarrasser le pauvre corps de son sang impur, crâne, poignard, sang, arbre. Le corps doit ensuite être placé dans un cercueil de bois, le visage exposé afin de rappeler aux fidèles que le mal est toujours à l'affût et que, pour voir le de Sora, peut les en préserver. Ainsi s'achève le rituel, libérant esprit malin, la fête peut commencer. Sortez vos chapeaux. Déjà, c'est qui la femme apportée par la mère? Oh là, il y a du sang partout, là. Il n'y a rien sur les autres tables. J'ai pas l'impression... Ah, oh, il y a du sang dans la fontaine. Et pas que. Qu'est-ce qui se passe ici? J'aime pas toute cette chose. Ok, du sang, tout ça, tout ça. Ok. Ici, on a quoi? On a le truc sacrificiel, ok, avec les crânes. Ensuite, il y a du sang partout.
cliff, Lisa. Garde la tête froide. Ah, il y a un truc là. Alors, on lève. Ouch! Il y a un cercueil. Oh lolo, j'aime pas trop leur délire. Donc j'imagine que ça c'est l'homme apporté c'est par la mer. Bizarre. Je peux descendre? Non. Oh, faut que je prenne les mini escaliers, histoire de pas me fouler la cheville. Ok, bonjour, bonsoir. Maman, est-ce que c'est toi? Ah non. C'était le cousin machin. Non. Il y a trop de sang. Trop d'eau rouge. Ah, on peut aller à l'extérieur du bateau. Ok. J'ai froid rien que qu'en y pensant. Oh. Donc moi je pense que c'est le gaz. Et là elle était en pleine hallucination. Et là maintenant qu'elle est sortie prendre l'air, elle va mieux. Oh, je suis même prêt à couper ma main pour ça. Enfin, la dernière fois, j'étais prêt à couper ma main pour dire que c'était pas vrai, mais j'étais trop influencée par Until Dawn. Mais maintenant, je suis. Oui, d'accord. Waouh, magnifique. Mais encore. Putain, mais elle est con ou quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Bonsoir, bonjour. Non mais arrête de regarder cette... On arrête de fixer la porte, ça ne va pas régler tes problèmes. Ah. Bouche. On peut monter en haut maintenant. Ah. Bah qu'est-ce qu'il fout là? Brad. Oh là. Hé, hey, Brad. Faut aller dehors. Qu'est-ce que tu... Ça va pas? Qu'est-ce que tu fous? Oh, arrête putain. Là. Brad, stop. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vous dis, il est complètement shooté. Attends. Comment on le retire de son truc? Je pense qu'il faut l'emmener. Il faut tous les emmener dehors. Il faut qu'ils arrêtent d'être à l'intérieur à respirer le gaz. Ah, punaise. Il y a quoi là? Hop. Oula. Comment ça va, Payou? Diante, madame est tout en beauté ce soir. Ah. Si tu le dis. Je suis normal. J'avais un pull, mais je me suis dit que j'allais avoir chaud. Et bah, elle est dans le... Elle est... Je vous dis, ils sont tous en bad trip. Madame, vous avez potentiellement votre short qui va se casser. Hein. Il va me choper les miches, là. Ça sent la noyade. Mais non, elle est complètement en hallucination. Moi, je vous dis, ils sont tous... Par contre, pourquoi elle fait les joues d'hamster? Je suis pas sûre que ça aide. Oui, d'accord. Oh, il me trompe avec une dame âgée. Là, il va ouvrir les yeux. Voilà. Oula.
Je sais pas ce que je suis en train de voir là. Mais qui c'est que je suis en train de regarder? Qui c'est le tueur? Oh, il y a un couteau, c'est une mauvaise idée. C'est pas la noyade, hein. Il y en a un, il va se faire planter, hein. Lui, c'est le bon, je crois. Le mec au tatouage, c'est le faux. Rien de ce que tu dis, mais je suis d'accord quand même. Ah, merci. Toujours d'accord. Peu importe ce que je dis, tu es d'accord. Oh là, mais c'est quoi ça? Ah bah, il y a Robocop qui vient me tuer. Non, non, bah non. Pitié. Help. Je comprends plus rien. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour me faire une... J'ai rien compris de ce qui vient de se passer. J'ai rien compris. Je vous dis, ils sont tous en bad trip et apparemment moi aussi. Oh, c'est sûr, je vous le jure, si c'est ça. Ah si, si, ils sont en bad trip total. Et lui, c'est l'autre gars. Qui se transforme dans leur esprit malade. Il est là. C'est quoi le problème, mon cœur? T'aimes plus ton chéri d'amour? Faut aller dehors. Faut aller dehors, j'ai dit. Je vais rater un QTE au bout d'un moment. Courir ou se cacher? Droite, gauche, courir, sauter. Sauter! Je sais pas du tout. Oh, putain, je vous avais dit que j'allais rater un QTE. Oh la quiche Lorraine que je suis. Aide-moi! Ah, pitié, laissez-nous! Je suis trop con. Il est rapide, le monsieur. Oui, ouais, bien. Oh putain, c'est pas vrai. Il est parti. Je suis pas en train de tout comprendre de ce que je suis en train de voir. Hein. Ouais, c'est moi. Allez, on bouge. Oui, madame, bah on fait ce que vous voulez. Faut qu'on aille se mettre à l'abri. Ok. Ah, ils sont tous dehors, du coup ils vont arrêter d'avoir des hallucinations. Moi je pense que ça marche comme ça. Dans le bateau, poison. Hors bateau, solution. Ok. Non, rentrez pas dedans, c'est une mauvaise idée. Il en manque pas un. Ah si, celui qui s'est enfui. Tout va bien. Non, tout va pas bien. Ouais, je crois que c'est une bonne planque ici. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure planque au monde. Jusqu'à preuve du contraire. Ah ! Oh, bonjour. On dirait que les choses ont pris une tournure plus spirituelle. Vous ne trouvez pas ?
Avez-vous compris ce qu'il se passe? Comment l'arrêter? Comment sauver la vie de ces pauvres passagers clandestins malchanceux? Ok. Ça viendra, j'espère. Je crois avoir compris, même si monsieur. Les précédents occupants du navire n'y sont jamais parvenus. Hallucination. Il y a eu beaucoup de morts cette nuit. À cause du gaz moutarde. Je suis pas sûr, mais. Laissez-moi. Un truc comme ça. Avec un petit indice. Oui, je prends les indices. Même si je ne les comprends jamais. Oui, j'ai besoin d'aide. Voyons voir comment tourner ça. Certaines des puissances en jeu sont un peu plus scientifiques, voire, irais-je jusqu'à dire, politiques, vous voyez, moins... C'est le gaz moutarde. Naturel. Je vous le dis, seriez-vous c'est le gaz moutarde. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose? Que pour chaque objet et pour chaque personne, il oui. faut voir au-delà des apparences. C'est le gaz moutarde. C'est le gaz moutarde. Je dis que c'est le Gardez gaz moutarde. L'esprit. Pitié, le gaz moutarde, non. J'ai hâte de savoir comment se débrouillent vos pauvres petits amis. Non, et j'ai pas hâte. On est bien ensemble. Le gaz moutarde inutiles. Brûle les poumons, il ne provoque Allez, pas d'hallucination. Ouais, mais une sorte de... Il y avait... C'est pas le gaz moutarde, mais je sais pas ce qu'ils utilisaient. Mais il y avait un gaz... Il y avait un masque un masque dans un bloc opératoire avec une personne derrière, et je pense que c'est ce gaz-là qui s'est échappé partout. Mais comme il y avait écrit gaz moutarde tout à l'heure, je me suis excitée sur celui-là. T'as même failli me tuer. Quoi ? Mais de quoi tu... Mais j'ai pas... Non, arrête, c'est n'importe quoi. Bon, c'est quoi le délire avec ce bateau ? Parce que, sans déconner, j'ai l'impression qu'il y a un truc maléfique, voire complètement diabolique là-dedans. Moi, je dis, c'est un gaz hallucinogène. Mais merci de l'information, Peyo. On aurait dit de vieux soldats, c'était des cadavres, ils étaient morts et après, ils n'étaient plus et... Parce que dès qu'ils sont dehors, ils arrêtent d'avoir ça des hallucinations. Comme histoire. Donc pour moi, genre, ça vient d'un truc qu'on inhale. Il y avait des trucs qui se baladaient et qui avaient sa tête. La tête d'Alex, c'était un cauchemar. Julia. Donc moi, pour moi, c'est ça. Je te ferai jamais de mal. Ou miasme. Tu le sais. Non, mais pour moi, c'est gaz. La première option m'a l'air la meilleure. Ah, des miasmes, genre des champignons. Ça peut pas être une coïncidence. Genre des sports. Est-ce que des un sport bah si, pourquoi pas. De quoi est-ce qu'on est vraiment sûr? Oui. Qu'est-ce qui est bien réel? Ouais ouais, mais c'est une possibilité. C'est un vaisseau fantôme. Où est de... Où est l'or? Où est l'or? Quelqu'un a vu l'or ou autre chose? Je veux l'or. L'or de Mandchourie, c'est pas du tout de l'or. C'est un produit chimique, et il s'est répandu dans la cale numéro 2. Ouais, et quelque chose me dit que c'est pas vraiment ce que nos amis les pêcheurs espéraient, eux, non plus. Ah, vous voyez, produit chimique. Où est l'équipage? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je serais curieuse de savoir ce qui est arrivé à ce bateau. J'en sais rien. Donc... J'ai vu la date 1947 sur le journal. Non, mais arrête de vouloir dire que c'est un vaisseau fantôme. Je suis contre cette idée. C'est crade, ça pue, ça craint. J'aime pas ça du tout. C'est comme si ce bateau était pris au piège dans une machine à cauchemar. Arrête avec ton vaisseau fantôme. J'ai dit non. Où ils sont tous passés? Cet endroit ressemble plus à un mausolée. Un mausolée. Alors ils viennent d'où tous ces cadavres? Je vais faire mon propre mausolée construit main. Mourir de peur. Je vends des kits pour faire des mausolées. Non, moi, c'est une mauvaise idée. Ça peut être une bonne idée. On perd du temps. Quoi qu'on construire fasse, son mausolée en 5 étapes. Allez, on se casse d'ici. On risque pas Allez, d'aller 10. Loin sans la tête d'allumage. On peut pas démarrer sans. Minute. Doit bien y avoir une radio quelque part. On pourrait peut-être s'en servir. Ouais, c'est pas bête, mais tu crois qu'elle marche encore? Il faut qu'on trouve comment y arriver. Bah ouais, pourquoi pas. Moi, je dis oui. Par contre, faut plus rentrer dans le bateau, hein. Ça vous fait bobo à la tête, hein. On se tire de ce bateau. Sandek, je crois que, en termes savants, on est carrément foutu. Ah, merci. C'est toujours rassurant quand quelqu'un vous dit ça. Moi, je serais lui, vous voyez. Je serais la pessimiste qui fout les nerfs. Ah, ça, c'est des balles. Des balles de... Je sais que ça paraît dingue, mais c'est peut-être ces armes qui ont abattu l'avion qu'on a découvert. De mitraillettes. Genre les lourdes, là. Mitrailleuses lourdes, ça s'appelle comme ça. Je n'ai pas les termes. Je ne suis pas armurier. Désolée.
Maintenant, j'ai envie d'en savoir plus. Vous savez ce que ça va faire? Ça va faire des recherches jusqu'à 2h du mat, se plaindre de ne pas pouvoir dormir. Mais en savoir plus sur les armes, c'est bien? Cool. Dommage qu'ils soient troués comme du gruyère. Ah, bah, écoute, tu trouves des planches. Tu fais des, des petites cales. Et allô? Elle m'attend en tout cas, la madame. Trop de questions, je cuisine. Ah! Malheureusement, tu cuisines quoi? Non! On va continuer sur l'interrogatoire. Tic-tac-touc. On a quoi là? Omelette. Bah c'est pas mal. Oh merde. Oh le masque à gaz. Ah. Qu'est-ce qu'il nous dit? Utilisation des masques à gaz. Commencez toujours par mettre votre propre masque à gaz avant d'aider quelqu'un d'autre. Comme dans les avions. Si vous détectez du gaz ou entendez l'alerte au gaz, ne paniquez pas. Restez calme et criez de manière compréhensible. Gaz, gaz, gaz. Pour avertir les autres personnes à proximité. Retenez votre respiration. Attachez le porte-masque à gaz en plaçant les sacs sous votre bras gauche. Faites passer la sangle par-dessus votre épaule droite et accrochez-la au sac. Attachez la ceinture autour de votre taille. Retirez votre casque. Tenez le masque des deux mains et placez-le sur votre visage. Hey, salut Doubiscoui. Oui, les poulpes sont de sortie. Retirez votre casque. Tenez le masque des deux mains et placez-le sur votre visage en introduisant le menton en premier. Puis faites passer les courroies par-dessus votre tête. En cas de gaz dans le masque, fermez-le à soupape expiratoire. Expirez rapidement et évacuez l'air, restant en appuyant sur le masque. Vérifiez les fuites en serrant fermement le tuyau annelé et en inspirant, le masque devrait alors se déformer pour s'ajuster à votre visage. Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être une fuite. Réajustez le masque et répétez l'opération. Si dessus, jusqu'à ce que le masque se déforme. Transporter quelque chose de plutôt dangereux. Lâchez le tuyau, vous pouvez maintenant respirer normalement. Remettez votre casque ou toute autre protection de tête et fermez le porte-masque à gaz. Ne retirez pas votre masque à moins d'en avoir reçu l'instruction. Écartez légèrement le masque de votre visage et sentez l'air. Si vous détectez du gaz, remettez le masque en place et évacuez le gaz. Fermez la soupape expiratoire, expirez rapidement et évacuez l'air restant en appuyant sur le masque. Après avoir retiré le masque, rangez-le dans le sac avec le tuyau annelé dans l'état où vous les avez trouvés. Si le porte-masque à gaz n'est plus nécessaire, vous pouvez le retirer en défaisant la ceinture et la sangle d'épaule. Les masques à gaz ne sont fournis qu'en cas de fuite de gaz. D'accord, merci monsieur, dame. Vous ne m'avez pas cru. Je vous dis, non, l'achat, je veux pas relire. Ça fait trop de lecture après. Donc, there is a little problem with the gas. Moi, je dis, il y a des hallucinations à cause du gaz. Et c'est pour ça qu'il y a un masque à gaz. Et les voluptes de fumée que je peux voir, c'est le gaz. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'hallucination hors du bateau, je pense. C'est ma théorie. Je crois bien qu'on peut monter par là. Viens m'aider. On fait la courte. Oh, elle a de la force, la madame. Hein. Je vais t'aider. D'accord, on s'aide tous, voilà. On est tous contents, là. Ok. Donc, on joue toujours le frère. Tic-tac. Alors, je vais essayer, s'il me propose, je pense que je vais essayer de rester un maximum hors de l'intérieur du bateau. Parce que depuis qu'on est à l'extérieur, on n'a plus d'hallucination. En tout cas, on voit plus de monstres. Donc pour moi, c'est lié. Par ici. Allez, pousse. Allez, tous tes muscles. Il y a un chemin par là. Allez.
cette eau. Oh, j'ai dit quoi, moi, allez. Qu'il fallait pas rentrer. Et qu'est-ce qu'on fait? Première chose qu'on fait, on rentre. De la lecture, génial. Je vais encore péter un coche. Une coche. Bonjour, oui. Ouvre-toi. Ah non, c'est détérioration des conditions météorologiques, vague de 6 mètres, aucun dégât signalé. Après-midi, détérioration continue des conditions et des prévisions. L'équipage se prépare. Matin, vent de force 10 et croissante. Temps exceptionnel, OM touché plusieurs fois par la foudre, sans dégâts, fuite d'eau signalée sous contrôle. Profondeur du tatata marin, impossible à déterminer, navigateur. Alors attendez, je change de position. Et voilà. On a quoi ici? Encore des problèmes. Journal des opérations de SS Ouran. Matin, mer plus calme, brouillard épais au midi, AM, vent debout en hausse AM. Matin, 7h30, brouillard très épais. Minuit AM, brouillard persistant. AM, c'est after midday. Est-ce que c'est ça? Je vais supposer que c'est ça. Le coût du gaz, c'est l'explication la plus logique, mais il faut que ce soit très concentré. Par définition, un gaz toxique est plus lourd que l'air, donc il va stagner. Mais au moindre courant d'air, il va s'étaler vers le sol et se disperser. Donc à moins de ramper nez contre le sol, on ne risque rien. Ouais, mais ensuite, si tu cours dans le gaz, tu cours, tu fais des boules de neige avec. Il y a possibilité. En intérieur, en revanche, il ne bougera pas, mais ça ne change pas le souci. Ok, ok. Oui, mais parce qu'en fait, on voit des volutes dans le jeu. Et c'est ça qui me fait penser depuis le début à du gaz. Et puis ensuite, ils ont parlé de gaz. Ah, une petite prémonition. Oh bah lui, je m'en tamponne le coquillage qu'il se fasse un trou de plus. Tu m'as fumé du pio. Je veux dire qu'il faut que ce soit vraiment concentré. Oui, oui, bah, concentré ou alors vraiment très fort, quoi. Oui, bonsoir. Ok. Mais à des taux énormes. Oui, ensuite, c'est un jeu vidéo. Est-ce que la réalité, la fiction, tout ça, tout ça? Vous avez trouvé la radio? Non, mais... Non, elle fout rien, tu vois bien. C'est quoi ça? Ah ouais. Quand on veut aller à San Francisco, on suit pas cet itinéraire. L'impression qu'il voulait pas se faire repérer. Il jouait à cache-cache, mais sur l'océan. Oui, non, c'est sûr. Ensuite, il y a des gaz qui sont, il y a des. Comment dire, il y a des trucs qui sont très concentrés, qui peuvent atteindre rapidement, comme certains poisons, mais c'est vrai que par inhalation, hallucination, c'est pas le plus courant. Bonsoir. Département américain de la Navy, 22 juin 007. Forte tempête, trajectoire dérivée, 12, inondation de la cale 2, signalée, 23, éclairs excessivement nombreux, 48, dérive en eau peu profonde, position inconnue, 120, fond marin présumé insondé, profondeur inconnue, 132, début des recherches du marin tombé à la mer, ah, un marin est tombé à la mer, 140, fin des recherches, 141, épaisse couverture nuageuse, localisation impossible. Après, on a retrouvé des particules d'air toxiques en ouvrant des tombeaux scellés depuis un millénaire. Donc, bon, tout est possible. Oui, mais ensuite, toxique certes, mais pas genre mortel, il me semble. Puis ensuite, il va y avoir la fonte de la calotte glaciaire et puis on va tous se retrouver dans la merde avec des virus de dinosaures. Je vais me transformer en ptérodactyle. Regardez. Ptérodactyle, moi je vous le dis. Oui, j'ai du mal à dire ce mot. Sérieux, ça fonctionne encore ce truc? Oh, on peut pas dire que la radio a beaucoup changé en 70 ans. Tant qu'il y a du courant... Je vais la tester. Ah, ça fonctionne! C'est une station de nombre. Une fréquence militaire. On demande de l'aide.
Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Ah ouais, allô, c'est la meilleure idée pour demander de l'aide, ça. Oh merde, ils répondent. Voilà nos coordonnées. Voilà nos coordonnées. Si vous nous recevez, on est en pleine mer sur un vieux cargo. Non, pas mortel, mais le mec se sentait pas bien pendant 2 ou 3 jours. Ouais. Mais c'est pas du gaz, c'est pas du gaz sarin, quoi. 20 minutes ouest. S'il vous plaît, traînez pas. On a besoin d'aide. Ok. Ah, c'est ça? C'est pas after midday, donc c'est la même chose, mais... c'est une urgence. On a vraiment besoin d'aide. Vite, vite. Parce que ça veut dire la même chose. Moi, j'avais retenu after midday et PM past midday. Hey, mais j'ai retenu comme ça. Mais ensuite, je suis pas très douée en anglais. C'est peut-être mes propres mémotechniques que j'ai retenues. Hein. Hey, par là, regarde. Vous voyez, il y a du gaz. Il y a les volutes dont je parlais. Les volutes de gaz. Et là, ils vont tous avoir des hallucinations. Je veux pas sauter. J'ai dit non. Ça doit forcément mener quelque part. C'est une mauvaise idée. On peut peut-être trouver un moyen de rétablir le courant. Il faut qu'on remette cette radio en marche. Quelqu'un devrait attendre ici, car on recevrait un message. Les ricains moyens sont à mon niveau, apparemment. Je peux le faire. C'est moi qui devrais y aller. Eh, petit frère. Quoi de neuf? Je me disais que tu méritais une promotion. Frangin médium, t'en penses quoi? Frangin médium. Mais de quoi tu parles? Hein? T'as pris la barre, frangin. Tu t'es carrément mis en première ligne. Tu mélanges les métaphores, là. Autant mettre le paquet tant que j'y suis. Quoi? Je suis impressionné. Rien. Sérieusement. Monsieur, vos phrases n'ont ni queue ni tête. Alors qu'est-ce que t'en dis? Ah, t'es mon bro sûr? Si tu veux vraiment le faire. Mais j'y vais! T'es une quiche lorraine, vas-y, j'y vais. Je m'en charge. Je veux pas te perdre. Je m'en charge. Pardon. Je viens aussi. À la base, c'est antimérien et post-méridien. Ok, ouais, mais ça marche aussi du coup dans mon truc. Oh. Si apprenez l'anglais facilement avec Idrial. Ah. Ok. De toute façon, qu'attendre d'un peuple qui utilise encore le système impérial. Oui, enfin, qu'attendre d'un peuple qui se plaint. Elle est morte là, la dame. Hein. Ils sont un peu lourds, je pense. Donc, je disais, que penser d'un peuple qui se plaint des tueries de masse, mais qui continue avec les armes? Oh, ça, c'est de la chute. Bonjour. Non, on est là pour chuter. T'as rien cassé? Est-ce que tout fonctionne? J'ai crié Aline, pour qu'elle revienne. Chut, brusquerie. Déconcentration, ça va. Brusquerie, chute. Ne rien dire. Je, ni l'un ni l'autre n'est une bonne solution. Il va falloir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra inventé rallumer la le lancer de pick-up. Ça en dit beaucoup. Mais il le lance comment? À la main? Attends, non. Ma question est un peu con, mais genre, ils sont dedans et ils se lancent avec? Ou... Non, télécommander, ça n'existe pas. Hey. Mais non, le lancer de pick-up. Et genre, c'est celui qui l'envoie le plus loin qui gagne. Mais les voitures, elles sont démontées après. Toi. Ah, on peut pas se tenir la mimine? On dirait les niveaux inférieurs du navire. Tiens-moi la main, je t'emmène vers l'au-delà. Ne t'inquiète pas pour moi, je ferai de mon mieux. Alors, rapport du médecin, compte rendu de la réunion entre le scientifique X, l'adjudant-chef Walter Bishop et l'adjudant-chef Tom Palmer, en présence du sergent Peter Wood, chargé d'observation et de... X, d'avoir bien voulu rencontrer notre équipe, il ajoute que nous avons beaucoup à apprendre. La même chose, le monde occidental doit être protégé de... Que les États-Unis savent que certaines agences s'intéressent aux agents chimiques et biologiques utilisés dans le cadre de la guerre. Nos activités limitées par le protocole de Genève, ayons expérience, ils nous est impossible de
décrit une expérience au cours de 10 ans à tester sur des sujets humains les effets d'une substance hallucinogène à structure cristalline désignée par le nom de code hors de Mandchourie. Des munitions chimiques combat relativement minimes déclenchées chez les sujets de profondes hallucinations. Hommes très convaincantes voyaient et entendaient les mêmes choses inexistantes, même le danger et de nombreux aspects d'une intensité constante. Oh, vous voyez, on a Réchon. On a potentiellement Réchon. Potentiellement raison. Oh, alors, attendez. J'entends des bruits. Donc l'or de Mandchourie, c'est bien un hallucinogène. Il s'avère que le soldat Charles Anderson en permission s'est enivré d'une façon indigne pour un membre de l'US Army. Le soldat Anderson s'est disputé avec un autre soldat ivre. L'officier ayant procédé à l'arrestation a jugé que la confrontation allait aboutir à un rixe en public. Des mesures ont donc été prises pour les deux hommes du jour au trou approuvé. Ça a dû cogner fort. Il bloque l'accélérateur et le jette du haut d'une colline et s'arrête le plus loin. Mais punaise, mais... Je veux créer des concours aussi débiles et que quelqu'un les suive. Donc on a raison, il y a bien un gaz hallucinogène qui crée de profondes hallucinations et qui peuvent toucher plusieurs personnes qui peuvent donc voir la même chose. Lundi, Arthur Miller, Larsin, un jour de détention, petit objet appartenant à un officier supérieur trouvé dans le casier de Miller, bien récupéré et rendu à leur propriétaire. Mercredi, David Davis, entrée non autorisée, deux jours de détention, surpris dans la cale 3A sans autorisation, mépris flagrant des ordres. Première classe, Louis Brand, ivresse publique, premier jour de détention, état d'ébriété et comportement indigne du personnel de l'US Army lors d'une permission à terre, Robert Reed. Ivresse publique, premier jour de détention, état d'ébriété et comportement indigne d'un personnel de l'US Army lors d'une permission à terre. Samedi, Charles Anderson, ivresse publique, bagarre, 10 jours de détention, état d'ébriété et comportement indigne du personnel de l'US Army lors d'une permission à terre. Joseph Roberts, ivresse publique, bagarre, 10 jours de détention et bla bla bla, envoyé à l'infirmerie pour traitement avant détention. Ok. Ok, le gars. On s'en va. Adieu. Donc, ça nous conforte sur notre idée de gaz toxique. Si on s'en sort, je passe le restant de mes jours dans un bain. Ah, bah écoutez, madame, j'espère c'est pas très bon pour votre peau, tout ça. C'est quoi ça? Une photo. C'est la photo de mamie? Ah non, de papy. C'était peut-être le fils d'un membre d'équipage. Pour papa, reviens vite. Ah, c'est le petit garçon qu'il arrêtait pas de voir de courir partout. Bonsoir. Oh, putain. Ah, ça c'est le tout début du jeu où le gars il sort de son état d'ébriété et découvre le cadavre du monsieur dans la pharmacie. On a quoi ici? Nom du patient, blablabla, historique du cas névrosé modéré, ne résulte pas d'une mauvaise conduite de sa part et s'est produit pendant son service. Conditions existantes avant son engagement, non. Conditions actuelles, bon pour le service. Durée future probable. D'accord, les faits sont les suivants. J'ai reçu aujourd'hui le soldat Patterson à l'infirmerie. Au cours de cette visite, j'ai observé de graves signes de détresse qui concordent avec la panique apparente que j'avais remarquée chez ce même soldat lors de son tour de garde en début de semaine. J'ai demandé à Patterson de venir me voir aujourd'hui car je pense que son état de panique s'accompagne de réminiscences perturbantes. Jusqu'ici, il a été capable d'assurer ses fonctions et ses symptômes semblent s'atténuer après son tour de garde. Il dit que ses symptômes sont très inhabituels. Le soldat Patterson est un jeune homme de 25 ans en bonne santé, à la carrière militaire exemplaire et sans problèmes médicaux connus. Il a réussi à se calmer lors de la visite. Je lui ai fait passer des tests simples de locution, de réflexes, de mémoire et de prise de décision qui ont donné des résultats normaux. Cas avéré de TJ. Je crois que c'est de troubles post-traumatiques. J'ai pas. Je crois, il me semble. Je suis pas sûre. Alors, elle est là, la madame. Vous voyez, il y a les volutes à terre. Donc je pense que c'est ça qui nous provoque des hallucinations. On va pas descendre de suite. Nanana. Ah bah si, on va descendre de suite. Apparemment, je ne peux point aller ailleurs. Donc c'est parti. On descend.
regarde. Allez, on descend. Allez. Un pied après l'autre la dans l'échelle. C'est la musique de l'échelle. Ah d'ailleurs, j'ai retrouvé la musique de la mandarine. Il n'y a plus d'échelle. Comment ça, il n'y a plus d'échelle? Je pense pouvoir sauter d'ici. Attends. Mais quel mytho? Est-ce que ça va? Je l'ai vu l'échelle. Mythomane va. Rejoins-moi. Rejoins-moi. Elle va pas. Et comment on fait pour sortir après? Si t'es tout seul, s'il y en a un des deux qui meurt, vous sortez pas. Oh, ça va! Merde! Qu'est-ce qu'il y a? T'as vraiment rien vu du tout? Ah. Non. Il commence à avoir des hallucinations. Bien sûr que non. Pardon? Ouais, je crois que je commence enfin à comprendre ce qui se passe ici. Personne ne m'a attaqué. Donc, ce bateau transportait l'or de Mandchourie. Mais c'était en fait un genre de... une arme biologique hallucinogène conçue en Chine pendant la Deuxième Guerre. Ah, enfin des explications. Instable et qu'il y a eu une fuite. Peut-être qu'il en reste et qu'on ressent ses effets, nous aussi. Paranoïa, hallucination, c'est ce que cette arme est censée causer. Tout l'équipage hallucinait. On sait qu'il craignait quelque chose. Et les officiers ont cru que c'était juste une bande de trouillards qui voulaient éviter leur tour de garde. Tous ces trucs déments qu'on a vus, c'était pas réel. Ça s'est pas réellement produit. Ils pensent. Ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion? Je sais pas, peut-être que l'avion a essayé de contacter le navire, mais c'est qu'une théorie. Effectivement. Ok, faut continuer. Allez, on continue. Allez. Par ici, la sortie. Tic-tac, tout, je sais pas lire. Rotterdam. Van Linden Engine Works, Rotterdam, Pays-Bas, moteur diesel numéro 1734, 1920, type bla bla bla. Vous avez cru que je suis pas ingénieur, hein? En tout cas, en navigation, non. À ma droite. Ce serait passé quoi si à la place on était parti au Japon? La ferme. Ah, il voulait partir au Japon a priori. Et il s'est pris un taquet. Mais genre, ouais, le bateau il est abandonné depuis 47, on doit être en 2015. Okay. Et là ça fait boum. On peut retourner en haut. Il va se retourner, elle est mal formée. Ah non, c'est bon. Eh ben c'est solide ces machines. Allez, ah ouais, avec le temps, hein, c'est pas mal. S'il vous plaît. Quelle est votre situation? On est en danger, ok? On est vraiment dans la merde et on a besoin d'aide maintenant. À vous. Nous organisons une mission de sauvetage. Sur quel type de bateau êtes-vous? À vous. On se trouve sur l'Ourang Medan, un vieux cargo militaire. À vous. Répétez. L'Ourang Medan. Répétez. Allez, marche. L'Ourang Medan. Vous connaissez pas? Bah si, il faut connaître, monsieur, dame. Ah, ça va exploser. Viens, on va derrière. Là, ça m'a l'air d'être un bon endroit. Hé, hey, mate-moi ça. Le recycleur. Les pêcheurs ont dû trouver ça sur le Duke. Tu crois qu'il marche toujours? Il reste peut-être encore quelques minutes d'oxygène. Ça vaut le coup de le prendre? Je sais pas. Ça nous fera perdre du temps. Ah, est-ce que je vais en avoir besoin? On sait jamais. Non, on devrait le prendre. Certaines parties du bateau sont submergées. Bah c'est surtout que genre recycleur dit oxygène pur dit on évite les hallucinations. Ah, qui va tuer qui? Non. Je t'en prie. Non. Je t'ai dit de la fermer, sale menteur. Ferme ta gueule de merde. Oh, je sais pas quoi faire. Quoi. Tout ce que tu racontes, c'est des conneries. Alors, ferme ta sale gueule de merde. Certes, c'est des connards, mais ils m'ont pas tué. Écoute. Écoute-moi.
Non. Fais pas ça. T'as qu'à mort. Je t'avais dit de fermer ta gueule. Oh merde. Pas la peine de lui faire une prise de catch, hein. Je pense qu'il en a, il en a eu pour son compte là. Ah, il nous faut ça. Ouais, mais lui, il est cinglé. Ah, ça y est, il pète un coche. Ah, il commence à devenir fou. Ah, il le sniffe bien le gaz, hein. Éloignez-vous de la paroi. Maintenant c'est moi qui viens le chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Je vous attends, bande d'enfoirés. Alors prenez le truc et cassez-vous. Non, non, on s'en fout du gars. Il nous faut le... La pièce, là. La pièce importante, elle est où? Je crois qu'on devrait peut-être pas s'en approcher. Ouais. On a intérêt à vite dégager de là. Il nous faut la pièce. Bah dégage. Je veux la pièce. Elle est où, la pièce? Mais je peux pas la choper. Oh, oh, shit. Sortez, partez. Non, cours. Il faut se tirer. Mais je peux pas prendre la pièce. Prenez la pièce. Ils ont pris la pièce. Non mais... Pitié là. Oh, c'est lui qui l'a. Il faut le tabasser. Pas la peine de vous cacher, sale petite merde. Pourquoi vous refusez de partager tout cet or, hein? Il y en a certainement bien assez pour tout le monde. Il n'y a pas d'or, monsieur. Et on est tous du même côté, non? Monseigneur, il est l'or. L'heure de vous réveiller. Si je vous laisse pas tout l'or, vous allez me laisser crever. Tout seul. Mais c'est moi le capitaine. Et c'est moi qui contre tout. Et je suis le seul à décider de qui reste. Il peut se prendre un rebond de marteau dans la tête. Dis-moi que tu sais comment sortir de là. J'ai aucune idée. Voyons ce qu'il fait. On se tire. Voyons ce qu'il fait. Il est complètement sous hallucination. Je sens que je vais mourir. L'or est à moi, et maintenant c'est moi qui vais m'éclater à tout éclater. Moi, avec mon putain de marteau géant. Ah, ça s'appelle une masse. Ça s'appelle une masse. Non, pardon. Mon putain de marteau géant. Je suis contre cette traduction. Ah ouais, genre, c'était la panique. Oula, le chat. Oui, tu peux venir sur le bureau sacré, si tu veux. Ah ah. C'est là. Allez, dépêche-toi. Bah, je veux bien. Bah voilà. C'est bon, tu crois? Dis-moi qu'on craint plus rien. C'est bon. Pour l'instant. Ok. Si vous pouviez partir d'ici, ça m'arrangerait. Oh ok. Personne ne bouge. Et personne s'amuse à se transformer. Ah, se transformer. Lui aussi, il est en hallucination. Lentement.
Est-ce qu'on lui dit pas de respirer dans le truc à oxygène? C'est bon. Personne change. Ça suffit. Les mains en l'air. Ben, on change pas, promis, mais... Faudrait que la meuf s'écarte de la porte. J'ai dit, personne change. Juste, baisse ton arme, allez. Ça nous évitera un drame. Oh, qui va mourir? Vous pensez que je voulais faire du mal à quelqu'un? Vous croyez que j'avais le choix, peut-être? C'est à vous aussi, pas vrai? Est-ce que je me trompe? Ah, ça recommence! Tout s'est encore transformé! Quoi? Quoi? Mais de quoi tu parles? Attention! Oh, elle va crever, elle. Restez loin de la brume! Hé, hey, y'a pas de brume là! Respirez pas! Faites gaffe à la brume! Curiosité, c'est quoi cette brume? Ne rien dire? Oh, allez, curiosité, on sait jamais. Attends, c'est quoi cette brume? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous transforme. Elle ramène à la vie des choses qui devraient pas être vivantes! Là. S'il te plaît, calme-toi. Stop. Stop. Il a des hallucinations. Allez, mais comment dire à quelqu'un qui a des hallucinations qu'il a des hallucinations? Non, alors t'approches pas. Alors ça, c'est la pire idée. Pour qui tu te prends, hein? Si vous l'avez respiré, ça se produit. Je peux le sentir. Il n'y a pas de brume. Rejet. Il n'y a pas de brume. Putain, je sens que je vais crever. J'avais dit qu'elle allait mourir. Je suis trop con. J'aurais rien dû dire. Eh ben, elle est morte. Oh, je suis trop con. Fais chier. Je vois pas quoi... GG, merci. Je vois pas comment j'aurais pu l'éviter. Hein. Oh là là, le talent. Elle est décédée. Bon, ça me fait un mort sur cinq. Par là, peut-être. Putain, je rêve! On dirait ce film à la con, avec le bateau qui coule. On dirait ce film à la con. La musique. J'hallucine. Y'a pas moyen d'avoir une doublure? Il est complètement... Moi, je dis, on passe par l'eau, non? Vu qu'on a le recycleur. Alors ça, c'est... fascinant. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va bien? Allez, faites qu'ils aillent. Ah, c'est les deux balles. Donc c'était pas une hallucination. La madame est vraiment morte. Non. Il faut qu'on aille là-bas pour vérifier si tout va bien. Merde. Faites pas ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Je vais y aller. Non. Si tout va bien. Reste là. Près de la radio. Il doit y avoir une autre solution. Je vais tout faire pour éviter le danger au maximum. Et je reviens dès que j'ai trouvé le générateur. Oh non, putain, il est chiant. Ça ira. Surtout, fais bien attention. Ok? Puis, il me casse les pieds parce que c'est le pire truc à faire. Ça me dégoûte pour la meuf. Genre en 30 secondes, on a perdu quelqu'un, quoi. Ah ouais, mais lui, il sait pas que c'est des hallucinations.
Ah, ça c'est pour un autre jeu. Et bah ça te donnera une occasion de rejouer. Oui, oui, mais une fois que je les ai fait, bah que j'ai fait une fois, c'est vrai que rejouer, c'est pas... C'est pas le meilleur truc, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Mémo interne à tous les officiers de terrain. Nos missions de recherche et de récupération dans le secteur ont donné des résultats dépassant largement nos estimations. Si vous localisez la dépouille de l'une des personnes disparues dans la station d'épuration, vous devrez peut-être utiliser le cercueil de petite taille. Ça doit être Hawkins, le pauvre, il ne reste quasiment rien de lui. Je sais que c'est pas idéal, mais il aura droit à des funérailles et en bonne et due forme et au respect qu'il mérite une fois que son corps aura été rapatrié. En attendant, on doit se débrouiller avec les moyens du bord. Ok. Un rat. Un cadavre. Bonjour. Ah. Quelque chose. Alors j'aime bien que je ne choisis aucune de ces actions. Et puis les transitions de scène magnifiques. Donc j'ai pas le choix d'avancer. Et ils m'ont regardé, droit dans les yeux, à travers moi, avec leurs yeux, avec leurs putains de grands yeux. Tu crois pas ? Non. Moi je te crois pas. Arrête ça. Arrête de me regarder. Tes yeux sont trop. Non. Non. Non, 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 bordel. Je vais te crever les yeux. Ah, fous-le-toi avec tes yeux. Je t'en prie. D'accord. Apparemment, il a un petit souci avec ses yeux. Hey, on se calme. Tout ce qu'on veut, c'est s'en aller. Pas besoin d'être violent. Oh, les QTE. Recule. Wow, relax. Personne n'en a après toi. Oh là, cours, 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 cours. Cours. Il est con ou il est con ? Ça va, on se calme. On va trouver quelque chose. Ce soit une bonne idée. Ah bah se noyer ça peut peut-être aider hein. Poisson fait bop bop dans l'eau. Alors il faut partir là. Oula oula. Ah. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Oh, la drogue. Dégage de là ! Allez ! Ah ouais, la force. Cours ! Pitié. Ah, il va être encore plus fou maintenant que c'est dans l'eau. La porte 2, d'accord. Allez, on court. Ah, il court dans l'eau, hein. Ah, ça, c'est de la course. Oh, il y a un esprit. Mais
putain, non! Vite, vite, laissez-moi une deuxième chance! Non! Je suis trop con! Il est décédé. Oupsie. C'est pas ma faute. Ah ouais, bah le monsieur, il a perdu tout le monde, là. Mais j'ai raté un QTE. Ils m'ont surpris. Je m'y attendais en plus. Je suis trop con. Putain, mais quel débile. Oh, c'est bon, t'as perdu ta femme, t'as perdu ton frère. Avance dans la vie, là. Ah non. Oh, la dernière fois, j'ai réussi à perdre personne. Cette fois-ci, tout le monde meurt. Tout ça parce que je suis pas douée dans les trucs comme ça. C'est ce qui s'appelle passer une mauvaise journée. Et effectivement. Ou bonne, ça dépend. Il me reste 3 personnages à tuer. 2 personnages à tuer. Oh non, et c'est la fin. J'aurais pu les sauver. J'aurais pu les sauver. Mais quelle quiche Lorraine. Embrasse-la, non. The end. Ah non, presque, hein. Ah, oh, je suis trop bête. Bon, c'est pas grave. On était à 2 personnages de passer une bonne journée. Allez, c'est parti. Oh, ils peuvent encore mourir, hein. Je vous préviens, ils peuvent encore mourir. Voilà. Punaise. Bon, il y en a 3 qui ont été sauvés. Oh non, on va pas les tuer quand même. Pitié, non? Il y a encore des vivants. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Qu'est-ce qu'il fout? C'est pas un militaire. Arrête! C'est méchant! Ah. Mais c'est quoi cet endroit? La porte, elle s'est ouverte sur quelqu'un. Pitié, il va mourir, lui. Il y a personne? Ouais. Alex, Julia, vous êtes là? Et schling, la porte. Ok. J'aurais dû être là. Quand elle est morte. J'aurais peut-être pu la sauver. J'aurais pu prendre sa place. J'aurais dû être à sa place. Donc il s'en fait plus pour sa petite amie que pour son frère. C'est beau. Oh, je suis un concombre de mer, quoi. Elle montrait bien comment je les ai fait laisser mourir, merci.
Oh, je suis un vrai concombre de mer, quoi. Oh, je m'en veux. Enfin, pour le deuxième, pas pour la première, je pouvais rien faire. Je suis pas psychologue, hein. Bonjour. Vas-y, dis-moi des remarques désobligeantes.